Activision voleur. Bonjour et bienvenue aux vieux gamers, bienvenue sur Call of Newbie. Eh oui, Black Ops 6. Eh oui, 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 bienvenue. Alors, qui aurait cru que Papy serait sur un jeu Call of Duty? Oui, bah personne, pas même Papy. Et puis finalement, il est sur le Game Pass. Pourquoi vous voudriez que je passe à côté de cette expérience absolument incroyable où, lorsque vous arrivez déjà, on vous demande de configurer un compte Activision, même si vous n'avez pas envie, vous n'avez rien à foutre, le jeu ne veut pas se lancer si vous n'avez pas rentré une adresse mail, et en plus, les conditions pour le mot de passe sont chiants à mourir, mais c'est pas grave, hein. Activision voleur, comme ça ils pourront vendre mes données personnelles, ils vont pouvoir m'envoyer plein de pubs que j'ai pas sollicitées, ils vont pouvoir suivre exactement ce que je fais dans leur putain de jeu, et en plus de ça, quand on arrive, regardez ça, magnifique, directement sur aller à la boutique. Non, non, je viens d'installer et de lancer un jeu vidéo. On ne m'envoie pas jouer à ce jeu vidéo, on m'envoie directement sur la boutique dépenser du putain de pognon. Il n'en est pas question. Bien évidemment, nous allons faire la campagne de Call of Newbie, ou du moins je vais au moins jouer un peu, et peut-être que si je ne vais pas plus loin, ça fera un papy découvre. Dans le cas contraire, ce sera... c'est parti en fait, peut-être un let's play, on va voir si c'est bien ou pas. Je risque d'en chier, hein, vous savez que les FPS, c'est pas forcément mon truc. Hein. Ah, la mise à jour nécessite un redémarrage. C'est bien, c'est juste la deuxième fois. En quelques secondes, magnifique, j'adore, c'est extraordinaire. Puisque vous l'aurez compris, il est impossible déjà de jouer à ce jeu, même la campagne solo, il est impossible d'y jouer sans être connecté. Hein, donc sans être tracé, sans être suivi, sans être pisté. C'est insupportable et non, on veut la campagne même si on sait que c'est juste un truc accessoire, cosmétique pour trois vieux cons comme moi que vous l'avez fait. Parce que sinon, tout ce qui vous intéresse, c'est faire du multijoueur en pimpant à mort votre boutique pour acheter des skins, des machins, du pay-to-win. Mais bon, nous, on va aller quand même au Koweït. On va aller au Koweït. On va au Koweït, les enfants. Retour dans les années 90. Hein. Choix de la mission, c'est parti. Le fou prend la tour. Et oui. Ah bah, au moins ça. Hein. ...1989. Ah, ça nous rajeunit pas. Mr. Gorbachev, open this gate. An entire class of US-Soviet nuclear missiles is eliminated. Trois Marshall. Gennaro. George Bush. C'est Vati Dumas. Félix Neumann. Et Frank Wood. Breaking news, bienvenue dans Call of Newbie. Call of Newbie, Black Ops 6. Est-ce que vous allez le nier? On en a déjà discuté. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Livingstone? Ça suffit! Vous avez désobéi à un ordre direct, Monsieur Marshall, alors qu'il était clair que votre opération était compromise. Sauf votre respect, monsieur, vous n'étiez pas là. Et le groupe voilà. Qui vous a compromis, le Panthéon, vous êtes sûr que c'était lui? C'est le nom que nous a donné à la Wii. Quand est-ce que vous allez nous dire ce qui se passe ici? Ouais, d'abord. C'est moi qui pose les questions, monsieur. Oui, alors en 89, on avait le droit de fumer à l'intérieur. J'ai lu votre rapport, madame Harrow. Et j'ai encore du mal à croire certaines parties. C'est pourquoi nous allons retracer le fil des événements. Sauf que cette fois... Je veux entendre Marshall. Commencez par le début. Fais pas le con, hein. Allez. On était en position près de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Une petite équipe. Moi, Harrow et Case. Alors normalement, on dit Harrow, Case et moi, hein. Mais bon, quand on est américain, peut-être pas, faut dire. Cuvette. Oui, on est dans la cuvette, en 91, c'est ça. On dirait qu'Alaoui est en avance. Son contact risque de pas s'éterniser. Non, surtout si c'est un contrebandier.
Mais je suis sûr qu'Alaoui a payé le prix fort pour quitter le Moyen-Orient. Eh ben, dommage pour lui. Il vient avec nous. Un petit enlèvement des familles. On a un visuel sur le convoi. Marque la cible, à vous. Reçu, équipe au sol. Cible confirmée. J'attends votre feu vert, à vous. Maintenant. Outlo 42, autorisation d'attaquer. Terminé. Terminado. Allons le choper. Reçu, équipe au sol. J'attaque. Attention, ralentissement. Oula. Oh la vache. Piu-piu. Attention, la voiture va faire boum. Il devrait être au milieu du convoi. Et n'oublie pas, Evingston a besoin d'Alaoui vivant. Compris. Barrage, direct au point d'exfiltration. Oui, oui, pas d'inquiétude. 5 minutes. Ouais, enfin, on va essayer. Alaoui est un ministre de la Défense, proche de sa dame. Ses hommes sont sûrement bien entraînés et lourdement armés. D'accord. Et sinon, j'accélère comment? Parce que là, je vise. Ça, c'est le genre de tir dont je me souviens. Deux cibles abattues. C'est pas fini, continuez d'avancer dans la fumée. On peut les looter ou pas? Non, on loot pas dans ce jeu. Ah! Oh putain. On comprend qu'on est là. Tenez-vous prêts. Menace en vue. Attends. Attends, parce que moi, je veux bien. Je veux bien, mais il y a quand même des... ouais, s'il te plaît. C'est-à-dire que là, la sensibilité des sticks analogiques, tu veux, moi, je veux bien. Mais, ouais... Tu vas descendre à 2. Ah oui, facile à 2. Ouais, parce que là, excuse-moi, mais c'est parti pouf, direct. Hein. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. C'est, je peux taper à fond, ça bouge pas autant. Allons-y. J'attaque. Menace supprimée. Headshot. Alaoui est dans un véhicule. Je l'ai l'autre là-bas. Dégagez la route. On n'a pas de temps à perdre. Reçu, véhicule noir. Attends. Ah merde, mais c'est mon copain celui-là, zut! On sur la route! Vas-y. Attends! Ouais! T'es mort! Voilà, bon, je suis pas sniper, hein, mais quand même! Eh là, il l'a pris sur la main, il est. Putain, quand même! J'allais dire, faut pas déconner! Ok, c'est bon! C'est bon, on l'a eu. Ok. Non mais vas-y. C'est au niveau du véhicule, au milieu de la route. Sécurisez la zone avant de capturer. Putain, mais vous pouvez pas. Vous couvrez pas mes arrières, vous. C'est pas possible. Il est là. Il est dans le 4x4. Il est dans le 4x4. Ouais. J'ouvre le 4x4. Case, c'est moi. Tu m'as pris pour un attaché, Case. Salaud. Ouf. Connard. Laisse-moi faire. Allez, direction Guantanamo. Ah non, ça existait pas. On te fera aucun mal. La CIA? On a bien un accord. Un accord? Pas avec nous. T'allais où? Foutesse, vous mentez. Votre homme allait me faire sortir. De qui tu parles? C'est à nous? Non, c'est pas irakien non plus. Le Panthéon. Le Panthéon? Le Panthéon qui? Vous avez aucune chance contre eux. Le Panthéon, c'est la France? Comme ça. C'est les Français? Allez. Ah, c'est vrai que Mitterrand nous y a envoyé à l'époque, mais quand même. Allez. Que je comprenne bien, monsieur Marshall. Oui, comprends. Ce groupe que vous appelez le Panthéon était une force paramilitaire multinationale lourdement armée qui serait sortie de nulle part. Vous recevez l'ordre d'attendre les renforts, mais vous décidez de la jouer en solo. On devait agir vite. Notre fenêtre Madame se fermait. Madame Arrow, a-t-il, oui ou non, désobéi à vos ordres? Oui, monsieur, mais le temps était compté et les conditions... C'est ce que je pensais. Ça ne m'étonne pas de votre part. Mais de vous, si. Monsieur, notre objectif était de capturer Alaoui par tous les moyens nécessaires. Oh, et ça, je sais. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi il est allongé sur une table à la morgue? Les choses se sont... compliquées. C'est compliqué. Il a appris ça de sa femme. Sa femme lui a dit, tu sais, c'est compliqué. Qui sont ces gens? Panthéon est un groupe d'anciens agents européens et américains. Et voilà. Mais j'ignore qui les dirige. Bah c'est les Français. Exfiltration. On appelle des renforts et on attend. Attendre? Hors de question. Barrage, tu m'entends?
On se dirige vers toi. Non, on est compromis. Alaoui va nous ralentir. Alaoui, c'est nous ou c'est le Panthéon? Je viens avec vous. Fais chier, toi. Sage décision. Case, commençons par les affaiblir un peu. Alors, où des équipements? Équipez et intervertissez les objets que vous transformez pour personnaliser votre attirail, maintenez Schplouch pour ouvrir la roue des équipements, puis équipez des pièces d'équipement mortelles, tactiques ou de soutien dans leur emplacement respectif. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Je vais utiliser RS pour prendre le RCXD. Le RCXD, c'est un petit véhicule. Voilà. Et je fais tac pour équiper. Ok. C'est pas du tout facile. Hein. Au boulot, mais Ah non, pardon. Alors, j'accélère. Waouh. Wouhou. Boum. On a une ouverture. Allez, en avant. On a une ouverture. Allez, go, 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 go. Grenade. Ces types du Panthéon sont costauds. Je l'ai eu, lui. Ah, il y en a un deuxième. Headshot, superbe. Headshot. On n'est pas si mauvais que ça, quand même. Toi, t'es mort. Grenade. Oh, putain. Wow! Toi t'es mort! Toi aussi t'es mort! Je l'ai eu, non? Putain, toujours pas! Mais non, mais vas-y, Et là, grenade flash ou grenade à fragmentation, ouais! Voilà, regarde. Allez, grenade! Je l'ai eu! Je l'ai eu aussi! Toi, t'es mort! J'ai plus de munitions. Voilà, tirez. Headshot. Point de ralliement est de l'autre côté du canyon. On court peut-être sur une embuscade. C'est notre seule option. On est trois et on a buté tout ça. Putain, Farage, qu'est-ce qu'on est bon quand même. Farage, réponds-moi. Vous êtes sûr qu'il sera là? Contente-toi d'avancer. On peut pas prendre la bagnole là? On fait des cibles faciles ici. Bah oui, je trouve aussi, c'est pour ça. Ah putain, vous voulez monter par là? Ok, vas-y, 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 cours, 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 cours. Pourquoi tu te baisses? Y'a personne, ça va là, vas-y, avance. Contact. Panthéon à l'avantage. Je l'ai eu. Enfin, il s'est relevé, mais je l'avais eu. Là, headshot, lui, il est mort. Grenade là-haut! Pas là-haut d'ailleurs. Ok, c'est bon, je l'ai eu. On y est presque, Chase. T'arrête pas! Panzai! Grenade derrière! Ouf! Hop, 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 hop. C'est bon, je suis vivant! Grenade! Ça suffit pas! Oh, je l'ai eu! J'ai eu le deuxième! Non!
Ok, c'est bon. RS. Allez, go, 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 go. Point de ralliement se trouve à l'ouest. On y va. Putain, qu'est-ce qu'ils te veulent, Alaoui? Sortez-moi de là et je vous dis... Bah, la même chose que nous, je pense. Ouais, t'as Oh putain. Ou c'est moi qui vais te tuer. Ouais. Ouais. C'est copain ou pas copain? Je crois qu'on est bon. Putain, debout, vieux. Allez, gros. Allez. Hop, hop, hop. On n'a pas toute la night. Non. Oh putain. Putain, vite, tire. Non. Lâche ça. Putain. Woods va en faire une jeunisse. Célèbre Russell Adler, traître de la CIA. T'étais en cavale depuis quoi? Dis-moi. Marshall, hein? Le nouveau projet de Woods. Tu peux me lâcher, petit. J'en ai terminé. Oui, bah, menottez-le bien, hein. Jane. Moi, j'ai tiré une balle dans la tête à celui-là. Une cible prioritaire de sang-froid, mettant en danger la sécurité nationale. Alaoui ne doit pas tomber entre les mains du Panthéon, ni de l'Anglais. La CIA est compromise. Et papa, moi, je ne suis que le bouc émissaire. Et t'espères qu'on va te croire? Hé, hey Jane, muselle ce type pour moi, s'il te plaît. Ok. Attendez, j'ai un message pour Woods. Ah ouais? Dites-lui que le fou prend la tour. C'est quoi encore ces conneries? Non, mais c'est en 2001, les tours! C'est pas maintenant! Faut y aller. Dans le véhicule! Oh putain, il court. Allez, go! Oh putain, hey, on va pécho le... Lanceur, oui. Ah ouais. Ah ouais, je veux, mon neveu, là, mais oui. À 6h. On pourra pas y échapper. Détruis-le. Poum. Les zones de cet hélico, Case. Oui, ah bah attends, laisse-moi qu'est-ce deux secondes. Qu'est-ce que t'attends? Faut utiliser les roquettes. Voilà, bah c'est ce que je fais, oh, hé. Attention. Oh putain, cours. Oh la vache. Ça va bien? Ouais, ça va. Pour l'instant. Allez, Case, j'ai besoin de toi. Boum. Dans le mille. Attends, ah oui, prêt, je veux. Attention, Oula vache. Oh merde. Oh putain, quoi. Après, un suivant. Aucune menace n'est visible dans le ciel. Heureusement que c'est pas moi qui conduisais. Hein. Allons nous faire remonter les bretelles. Bonne chance, oui. Alors. Autre chose à ajouter? Monsieur, malgré ce manquement et la perte d'Alaoui, il faut savoir que l'arrestation de Russell Adler est une véritable aubaine. Oui, Madame Arrow. La capture d'un agent corrompu est une très bonne chose. Russell Adler, la taupe qui nous a trahis au Panama. L'homme responsable de votre situation actuelle, Monsieur Woods. Mais pourquoi a-t-il essayé de vous dire quelque chose au Koweït? Le fou prend la tour. Une idée de ce que ça veut dire? Bah, faut demander à Wood. Aucune. Je veux causer à Bill Clinton. Très bien. D'après le rapport que Arrow a rédigé à contre-cœur et la rétention d'informations critiques concernant Russell Adler, votre équipe est suspendue. Vous êtes sérieux? C'est du foutage de gueule. Et vous, Madame Arrow, sachez que je vais vous surveiller de très près. Ah oui, surveillez-moi de près. Adler et moi, si on parle pas russe dans ce pays aujourd'hui. La guerre froide est terminée. Monsieur Woods, des hommes comme vous et Russell Adler êtes les derniers assassins internationaux d'une époque révolue. Prenez le temps d'y réfléchir. Ouais. Ce sera tout. Nos ennemis, maintenant, c'est les Arabes, c'est plus les Russes. Et ça va être les Arabes jusqu'en 2020. 21, 22. 5 minutes. C'est là, il y aura Poutine, alors ce sera de nouveau de les Russes. Lâcher l'affaire, Marshall. Tu pourrais être sympa avec lui, il a des pansements et tout, il a pris des nions et tout, wow. Tiens, viens, Coca Light. Tu admires ton travail. Je pensais pas que tu le garderais. Tous les souvenirs ne sont pas bons achetés. Pourquoi on est là, Arrow? Parce que vous savez quelque chose. Vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de mijoter. Les enfants et moi, on a besoin de prendre du recul. Tu sais, nous évader un peu. Réfléchir à tout ça. Écoutez, j'essaierai de couvrir vos arrières du mieux que je peux. Mais si les choses tournent mal, vous devrez vous débrouiller. Entendu. Je t'en dois une. Une? Ouais, des dizaines, tu veux dire. Rends-moi service, Troy. Évite de te faire tuer.
Je vais voir ce que je peux faire. Il est tout blessé de partout. La veste aussi est toute vieille. Mais alors les lunettes sont impeccables. Frides la terre. Woods a tout de suite compris. Oui, alors un succès de diamant pour avoir fait la première mission de la campagne, ça en dit long. Après Woods, il y a une quinzaine d'années, lui et Adler ont découvert une planque abandonnée du KGB en Bulgarie. On l'appelait la Tour. La Tour. L'an dernier, avant de disparaître, Adler enquêtait sur des rumeurs concernant un dangereux groupe paramilitaire qui recevrait des ordres de quelqu'un de la CIA. Il pensait que le Panthéon travaillait sur une arme d'un nouveau genre. Qu'il libérerait quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. La fureur nucléaire, si. Et déjà connu ça. Des preuves incriminant Adler sont rapidement apparues, et il a fui. Vers cette planque. Ce qu'on a trouvé ici ces deux derniers jours a changé la donne. Ça remet en question tout ce que je pensais savoir sur Adler, sur Livingstone, et même sur la CIA. Hey, je sais pas si on devrait couper le contact avec Jane. Woods dit qu'elle pourrait nous être utile, mais... elle se retrouverait dans le collimateur de l'Anglie s'il découvre ce qu'on mijote. Adler nous a fait venir ici pour une raison. Stopper le Panthéon avant qu'il ne frappe. Mais pour ça, Woods pense qu'on aura besoin de lui. C'est là que ça se complique. Adler nous a laissé un nom. Ce sera notre point de départ. Ah, au moins on peut dire que c'est rythmé hein, comme démarrage. Pas de temps à perdre, tu connais le plan. Truc case, c'est Vati Bulgari 91. Que tu m'as rencontré. Ouais. Je sais pas vraiment pourquoi Adler l'a contacté, mais c'est notre seule piste. Bah elle a l'air bonasse. On peut pas lui faire confiance. Adler devait s'en méfier. Hein? Qui sait, elle pourrait faire partie de ce putain de Panthéon. Faut qu'on prenne le risque. Dumas a accepté de rencontrer Case à Avalon, alors on y va. Tiens, on y va. Tiens. Regarde-toi, t'as décidé de porter tes couilles? On devrait pas plutôt trouver Adler avant de se lancer? C'est bien pour ça que je vais à Munich, pour m'entretenir avec ton vieil ami. À Munich? Ami? Je crois pas. Je peux pas blairer ce salopard. Mais on a besoin de lui. Alors je vais faire un petit effort. S'il est aussi doué que tu le dis, on aura localisé Adler avant le retour de Case. Si Livingstone l'a pas déjà mis en cage... T'auras toutes moi les je veux aller sur là. Je peux pas aller là. Pourquoi je peux pas aller ici en Bretagne? C'est mieux. Vous voulez m'envoyer où déjà? Cette petite planque misérable fait un peu pitié. Mais j'ai des idées pour l'améliorer, Case. Je t'expliquerai quand t'auras une minute. Ah, on fait du housing, ça me plaît bien. Ouais, c'est une bonne idée ça. Là-bas, il y a le cuvette. Ouais, le cuvette. Et là, il y a le méchant Livingstone qui, à mon avis, n'est pas lui le méchant. Hein, sinon, c'est trop évident. Après, c'est un Call of Newbie. C'est pas fait pour être délicat ou subtil. Hein. C'est un truc avec des gros malabardes américains. Donc, je veux dire, la subtilité, c'est pas tellement la marque de fabrique de la maison. Est-ce qu'il y a un peu d'interactivité? Je parie que pas du tout. Mais genre pas du tout. C'est genre, tu vois, tu bloques à cause d'une chaise. Tu peux même pas pousser la chaise. Là, tu marches sur le truc. Les cartons, tu peux pas les pousser non plus. Là, poum. Non. Tu passes à moitié par-dessus, mais c'est tout. Et aucun équipement tactique. Non. C'est juste un beau JPEG. Alors, c'est beau, mais c'est juste un JPEG. On peut rien faire du tout. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, graphiquement c'est joli, c'est juste dommage que ça manque d'interactivité, mais sinon c'est sympa. Hop, un bureau par là, la cheminée, ok. Oh, on peut aller sur la terrasse. La planque est... D'accord, la planque est pas très jouasse, mais alors la vue, enfin l'endroit, ça m'a l'air... ça le fait, hein. Ça le fait. Papy, oui, pardon, j'y retourne. Ah, je découvre mon environnement. Pour une fois qu'on a un peu de liberté. Et là, alors, ça, c'est un autre test. Est-ce que je peux me baisser? Non, je peux pas. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu voir s'il y a un vrai conduit de cheminée. Ou si c'est juste pour faire joli. Parce que les mecs qui codent bien, là, si je me baisse, je vois un vrai conduit. Si c'est codé avec le cul, je vois rien. D'ailleurs, ça a pas l'air très épais, quand même. Hein. Ça a pas l'air très épais. Bon. Où est la cuisine? J'aimerais ça aussi qu'on bouffe. Voilà. Bah là, ça va me... Putain, on peut pas ouvrir la chambre... Oh non, la chambre froide, on peut pas l'ouvrir. C'est ballot, ça.
Ok. Non, alors, pour un simulateur de maison, ouais, ça aurait de la gueule, hein, véritablement. Véritablement, ils ont bien bossé sur la partie graphique. Bon, ça a l'air grand, hein. Bon, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout. Il y a plein de cheminées partout. La porte s'ouvre pas. Ah, vue sur le combi Volkswagen. Là, la porte d'entrée. Elle est là, la porte d'entrée. Elle est là, la porte d'entrée. Vas-y, ouvre la porte. Voilà, voilà, voilà. Je vais aller chercher le courrier. Et le matin, tu commences par aller chercher le courrier quand même. Faut pas déconner. Elle est où la boîte aux lettres? Ils l'ont mise à l'entrée? Ou pas? Non. Bon, bah, y a pas la... Non. Je peux ouvrir la camionnette. LT09X JPEX. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, puis comme je sais pas escalader hein, le moindre truc, hein, je suis vraiment bloqué à avancer bêtement. Bon, faut que j'y cause à lui, alors. Vas-y, Wood. Bon... T'as combien d'argent en tout? J'ai rien. Rien. Je dépense tout dans les jeux vidéo. Si je suis abonné au Game Pass, je suis abonné à Sony, je suis abonné à Ubisoft Plus, je suis abonné à Rockstar Plus, je suis abonné à Electronic Arts Plus, je suis abonné partout. Puis alors sinon j'ai Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount Plus, Truc Plus, Machin Plus, Canal Plus. J'ai plus une thune à la fin du mois, t'as, et rien n'est à moi. C'est con quand même, hein, mais voilà. Je sais pas de quoi demain sera fait, alors je profite. Ouais, bien dit. En mode carpe diem. C'est ça. Mais tu sais quoi? Si on veut faire ça bien, financièrement, il va falloir être créatif. Ah bah si je voulais prendre 2-3 abonnements en plus, ouais, c'est vrai que être créatif, c'est, pour avoir un peu plus de pognon, c'est pas mal. Hein. C'est à quel sujet on va être créatif hein? Struara suffisait peut-être à Adler, mais pas à une équipe. Ça mérite une rénovation. Une armurerie, un stand de tir, du matériel. Ah. Le genre de truc dont on pourrait avoir besoin, tu vois? Mais toutes ces conneries ont un coût. Ah moi je voyais ça un peu différemment. J'aurais pensé de quoi faire un pique-nique, de quoi picoler à l'apéro, de quoi... Comment Adler et toi, vous avez trouvé cet endroit? On suivait une piste du KGB et un enregistrement nous a conduit ici. C'était abandonné. Quand on en a parlé à notre ami infiltré dans le KGB, il savait rien. Belikov pensait à une sorte de groupe dissident qui n'était pas géré par le comité central. Quoi qu'il en soit, les Rouges ont pas l'air d'avoir mis les pieds dans ce trou depuis 68. Oh bah dis, ils ont... Eh, c'est mai 68, hein. Ah, ça leur a fait peur aux Rouges, hein. Ah ça, la révolution de 68, ouais, c'est sûr. Et bon, on a combien de tunas, nous? Marshall a trouvé quelques billets cachés dans une pièce à l'étage. À part ça, on a que dalle. Oh bah merde. Mais pas question de toucher à nos comptes perso. Ça paraît très louche. C'est sûr. Quand tu partiras en mission, essaie de trouver de l'argent ou d'éventuels renseignements. En gros, on va se la jouer Robin des Bois. Vole les riches pour aider les pauvres. Et donc, du coup, c'est nous les pauvres. Ouais, donc toi, donc moi aussi. Et à un moment, on va devenir riche. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je te vole pour redonner aux autres? Si du coup, c'est un va-et-vient... C'est pas mal, hein. C'est peut-être le mouvement perpétuel. On l'a peut-être trouvé comme ça. Ouais, c'est... Et sinon, Adler, il était vraiment tout seul ici. Ouais, il voulait pas nous mêler à cette histoire. Il faisait confiance qu'à une poignée de gens. À ce que je sais, il a contacté personne. C'est sûrement pour ça qu'il parlait avec Dumas. Pour tenir l'Anglie loin de tout ça. On va faire pareil. Pour l'instant. Bon bah, écoute, je dois y aller, hein. À plus dans le bus, hein. Le tableau derrière sert à checker nos dépenses. Tu peux regarder. Alors, bureau d'acquisition, opération room, gear station, training area... Et Vépon Banche, ok. Et le tableau, il est là? C'est le tableau. Le tableau des preuves. Ah, ça, ils adorent ça. Ça, ils adorent. Là, la mission suivante, c'est génial. Le fou prend la tour. Ok, c'est fait. Et puis là, il y a l'autre. Alors, bah écoute, mission suivante. Woods dit qu'il ne fait pas confiance à Savaty Dumas. Mais il dit ça pour tout le monde. Je crois même qu'il est en train de dépeindre sur moi. Fais ce que tu as à faire, Avalon. Et ramène-la au bercail. Ah oui, non, mais on y va. On démarre la mission. Go.
Adler nous a pas trop laissé d'infos sur ces Vati du Mar. Mais je peux te dire deux, trois trucs sur Avalon. C'est le terrain de jeu des riches et des véreux. Elle est sous le contrôle des criminels. Tout le monde cherche à se débarrasser de quelqu'un. Quand ils ont leur cible, ils embauchent quelqu'un comme Sevati. Elle faisait partie de la guilde, l'une des factions les plus puissantes d'Avalon. Là, elle est à son compte. Sevati dit qu'Adler l'a engagée pour suivre une piste du Panthéon. Tu vas donc l'accompagner pour sa mission ce soir. Le but est de découvrir où cette piste nous mène, voire éventuellement recruter quelques bras. Fais ta part du marché, mais assure-toi qu'elle remplisse la sienne. La confiance, ça se gagne. Ah, je croyais que ça se donnait. Vendetta, côte méditerranée, Avalon. C'est marrant parce que, donc, il y a bien les États-Unis, la CIA, on va en Irak, Saddam Hussein, tout ça. Là, mais par contre, là, quand on arrive en Europe, non, on va dans un truc fictif, ça s'appelle Avalon. Genre, on est à Monaco, salut, quoi, Chris. C'est... Regarde sur le téléphone. Oui ? Qu'est-ce que c'est, madame ? Il y a des chewing-gums, des vieux chewing-gums collés, des trucs qui ont l'air un peu dégueulasses, mais... Une enveloppe ! Ok, c'est quoi ça ? Je sais pas, on se les collait dans le pif ? Yannick ! Je m'appelle Yannick, c'est un courtier de la guilde. Il serait sur son yacht ce soir pour recevoir un appel du Panthéon. On l'a mis sur écoute. Une fois qu'il aura raccroché, tu devras exécuter Yannick. Ça fera sortir la cible qui m'intéresse. Oh bah merde ! Ça explose en son temps. Mais t'es où toi d'abord ? Je suis prêt pour voir si tu te foires. Mais j'aimerais que tu sois plus près de moi encore. Tu peux pas être plus près de moi ? Non, c'est non. Non, je dois savoir quoi à propos de lui, parce que je veux bien le buter, mais faut peut-être que j'en sache un minimum. C'est quand même. Il rentre dans le trafic d'armes, de drogue, de femmes, tout ce qui rapporte de l'argent. Ah ouais, c'est après sympa. Les rumeurs, le Panthéon voudrait s'associer à la guilde. Alors Yannick tâte le terrain. Il est que le premier domino. Les choses sérieuses commenceront quand on l'aura éliminé. Et quand on aura débusqué la véritable cible, Johan et Seidi. Qui c'est celui-là encore ? C'est bon, je te le trouve où, ton Yannick, là ? L'église offre une jolie vue sur le yacht de Yannick. Il organise une fête pendant que ses hommes comptent l'argent dans l'église. On fait sniper ? Tiens, ouais, bah j'y vais. T'es capable, Case. En ouais, à... du clocher. Oh putain ! Comment ? Oh putain ! Fais du bruit, mais monte. Discrétion, rester caché, accroupi. Ah bah oui, bah là j'ai... Ah oui, j'ai mal démarré, moi. Ouais, bon. T'as de la chance que personne t'entende. Ouais, mais... Tu m'as pas prévenu... Ça te dit pas ? Tu pourrais éviter les gardes, comme ça. Tu m'as pas prévenu que ça commençait maintenant, le jeu, là, moi, là, aussi. T'es marrant, toi. Luf. Et on respire... Ah si, il y a une jauge... Il y a une jauge d'oxygène, ok. Ah bon, quand on aura écouté l'appel de Yannick et confirmé la piste du Panthéon, je déclarerai la chasse à la guilde ouverte. Ils ont ce qu'ils méritent. Je sais de quoi je parle, j'ai travaillé pour eux. Les fêtes de Yannick m'ont jamais intéressé quand je faisais partie de la guilde. Mais c'était l'occasion idéale pour apprendre à se fondre dans le décor. La soirée était longue pour les filles qui attiraient l'attention de Yannick. Alors, écoutons la sienne. Ok, on va essayer. Putain de club. C'est tout Yannick, ça. La musique porte vachement sur l'eau. Yannick, putain, c'était quoi ? Ennemi à proximité ! Oh, oh ! Tire de couverture ! Putain ! Ouais, non, mais c'était pas prévu, ça ! Ouais, 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 je m'excuse, je m'excuse ! Ah ! Non ! Hé ! Allumé ! Bien reçu ! J'attaque ! Il bouge ! Bah oui, je bouge, manquerait plus que je bouge pas ! Ok. Ok, bon, il me reste plus beaucoup de balles, hein, par contre. Excusez-moi, les mecs, hein. Le jeu m'a dit balance un truc, j'ai balancé un truc, j'avais pas compris qu'il fallait pas faire ça comme ça. T'es marrant, toi, couteau de lancer. Bah oui, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. C'est où qu'on va, nous, c'est par là ? Putain, ah bah dis donc. On a une vision de l'aigle ou un truc pour voir plus loin, là ?
ou pas? Non, ça a l'air calme. Vas-y. Ah bon, c'est D pour monter. Tu pourrais grimper jusqu'au premier étage. L'accès au clocher est au premier étage, derrière une porte verrouillée. C'est quoi ce bordel? Si tu pouvais éviter de te faire tuer, ça m'arrangerait. Oui, bah j'essaye, écoute, déjà je balance des couteaux, mais ce que tu m'as fini, on dirait des couteaux de cuisine. Ça m'aide pas beaucoup. Bordel, c'était quoi? C'était moi. Chut, silence! À couvert! Il est là! L'ennemi avance! Ah, je t'ai eu! Déconne pas! Il m'en reste plus beaucoup! Ouvrez-moi! Bah, tu peux pas mourir en une fois, non? Putain, tu m'arrangerais hein, si tu mourrais en une fois. Y'a pas quelques munitions? Putain, ça m'arrangerait. Passe à l'assaut. Ouais, ouais, attends, petite seconde, le temps que je récupère ma vie. Oh là 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 là. Ok. Vas-y, normalement, il reste au moins un mec. Où il est, ce con? Va pas durer toute la nuit. On pense clocher. Oui, bah attends. Yannick devrait recevoir l'appel du Panthéon d'une minute à l'autre. Oula. C'est par là. Les gardes sont tout prêts. Fais vite. Ok. Putain! Vous m'échapperez pas! Ils sont là! J'attaque! Il avance! Ça suffit, ouais! Bon, mitraillette, non. On va rester avec celui-là. On a quand même plus de munitions. J'ai caché un fusil en haut du clocher ce matin. Merci. Souviens-toi, Case. Ne tire pas avant qu'il ait terminé son appel. Ouais, ouais, je sais. Confirmer ses éventuels liens avec le Panthéon. Ouais, t'inquiète. Yannick est près du parasol, sur le côté gauche du ponton supérieur. Il attends. Femme. Et ça fait beaucoup d'indices d'un seul coup, là. Moi, je sais plus, moi. Attends, Ok, c'est bon là? On peut? J'ai votre compte. Méga vérifie qu'il ne manque rien. Tout est là. Que ce soit clair, c'est la première et la dernière fois qu'on fait affaire. Je veux pas être mêlé à la CIA ou à votre histoire de Panthéon. Je sais pas où il est! Tu dois l'envoyer ce soir, compris? C'est pas ce qu'on avait convenu. Ce soir, Yannick. M'oblige pas à m'énerver. Le Panthéon est donc en relation avec la CIA. On a ce qu'il nous faut. Élimine-le. Ah là! Joli! C'est le tir de ta vie! C'est fait! Ah, ah bah oui, j'ai tiré! Ça, t'as pas vu depuis le début? Je tire bien! On a encore du boulot pour ce soir. Retourne à la cabine téléphonique.
Tu me verras arriver dans une camionnette blanche. Les gardes rappliquent. La nouvelle de la mort de Yannick a fait le tour. Bon, on va essayer de se démerder avec ça. T'es mort! L'ennemi progresse. Oh putain! La police sera bientôt là! Allez! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous énervez pas les mecs! Allez, go dans la flotte! Après, je sais pas du tout où c'est qu'il faut aller! 50 mètres! Ouais, j'arrive! Je rejoins la camionnette si tôt que je peux! J'entends des sirènes! Repliez-vous dans l'église! La voix est voilà, repliez-vous dans l'église! C'est toi! Mais c'est qui ça? On doit y aller, Case. Non mais c'était qui? Hé hey. Hé, baisse le son. Je te présente Gabriel. On peut lui faire confiance. Ils organisent une réunion d'urgence au château de la Haute Lune. Trois chefs de la guilde seront présents pour apaiser la relation avec le Panthéon. Je veux mon argent. Alors on va s'inviter à la fête. Okay. Au château de la Haute Lune. Allez. Elle a l'air haute ta lune, ça, on est d'accord. La guilde fermera le restaurant et se réunira dans une salle sécurisée au premier étage. La porte ne peut être déverrouillée que depuis l'intérieur. Tu vas m'aider à ouvrir cette porte. Ah ouais. On y sera dans quelques minutes. Tu ouvres ta porte. On a juste le temps de se changer. Oh oui, on se change. Oh là 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 là, mais on se change. Et on verra et la suite dans le prochain épisode, les enfants. La sécurité de la guilde n'y verra que ah ouais. Perso, ces pourritures de la guilde peuvent crever. Et si le Panthéon y passait aussi, ça serait parfait. Je te reconnais plus. Je descends ici. D'accord. Rejoins l'antichambre de la salle sécurisée au premier étage. Ok. Une alarme se déclenchera, c'est normal. C'est normal. La guilde te connaît pas. Alors, la meilleure option, c'est de te rendre et de jouer le jeu. Ok. Quand tu seras à l'intérieur, attends mon signal. D'accord. Ok, bah c'est... Mais ouais. Ouais, ouais. Ah bah je vais choisir mes armes et puis on sortira juste après. C'est bon, sauvegarde réussi, c'est nickel. On est prêts les enfants. Pour la suite, vous devrez attendre. Ah oui, vous devrez attendre. On va attendre un petit peu pour la suite de ce Call of Newbie. Ça va être... ce Call of Newbie, c'est pas mal. C'est Papy qui découvre Call of machin. Je m'amuse pour l'instant, je rigole. Je suis nul à chier. Si vous l'avez pas compris, bien sûr, on est en mode histoire, on va pas s'emmerder. C'est pas du tout mon type de jeu, ça. Donc, on fait avec les moyens du bord. Pour l'instant, c'est assez sympa. Par contre, on arrive à dialoguer, on arrive à échanger. Et puis, comme je suis en mode histoire, je peux me planter et faire n'importe quoi. Call of Newbie. Avec Call of Newbie, les aventures du pire agent secret qui soit. Le moins discret, en tout cas, ça c'est sûr. Si ça vous a plu, surtout, de let's play comme ça, hein. N'hésitez pas surtout appuyez comme des fous sur les petits pouces, partagez comme vous pouvez, laissez des commentaires, n'hésitez pas, amusez-vous, et puis moi je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite des aventures de ce Case, de cet attaché Case, le James Bond du pauvre perdu au milieu de la fin de la guerre froide dans les années 89-90 à vous les studios, ciao.